Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit replay de War Thunder français et on pourrait presque appeler ça la presque dernière bataille de l'AMX-30B2 Brennus puisque je suis à un poil de cul de terminer d'avoir ma transmission et de terminer donc le pexage de ce char pour passer à l'AMX-40. C'est long. Donc une bonne partie, je suis quatrième, j'ai fait pas mal de dégâts, et puis bon, c'était plutôt pas mal. Donc 6 kills, 3 assists, je suis mort une fois, et j'ai abattu un hélicoptère. Alors, double frappe, sauveur de char, professionnel, appui-feu, série d'assistance, série de frappe furtive, travail en équipe, et la meilleure escouade. Ça fait toujours plaisir. Alors qu'est-ce que j'ai détruit avec mon Brennus? Un mouse. Le mouse face à un Brennus. Un char de 1945 face à la dernière version de la MX-30B2 qui date des années qui était encore en service dans les années 2000. Non mais juste 55 ans de différence quoi, c'est une paille. C'est ça que je trouve un peu ridicule. Donc ensuite, j'ai détruit un OF-40. Mais après lui avoir mis 15 fois le feu, entre-temps j'ai mis le feu au T10, je détruis le T10, parce que je varie un petit peu, ils étaient l'un à côté de l'autre, donc je tire un coup sur l'un, un coup sur l'autre, histoire de s'occuper. Ensuite, là, je suis détruit par celui qui devait être vénère, bon, on s'en fout. Donc je prends mon super, je détruis un type 89, qui était venu nous faire chier, enfin, je l'ai pris par derrière, et oh, il l'a senti passer. Ensuite, j'ai abattu une gazelle, la pauvre, une gazelle, c'est pas résistant. J'ai endommagé un AH-1F, j'ai détruit un M61 Rise, et j'ai déglingué un Object 906, enfin bref, que des chars qui sont vachement Deuxième Guerre mondiale. Hein. Je compatis avec les mecs qui jouent les MOS, parce que franchement, il faut avoir du courage pour jouer des MOS face à des mecs qui jouent tout sauf un MOS, quoi. Bon. Tireur. Donc, opérateur. On suit les règles de l'art. Voilà. Donc, lui aussi, il progresse pas mal. Donc, allez, c'est parti. Et donc, hop. Alors, attendez, parce que là, je voulais voir un petit peu. C'est le... je pense que c'est le dernier... alors, attends. C'est le dernier, donc... 7 kills, oui, 7 kills, parce qu'en fait, j'ai abattu un hélicoptère en plus des 6 chars. 3 assists, et j'espère une victoire, oui, puisque j'ai fait plus de 70%, donc c'est ma première victoire. C'est ma première bataille de la journée. Je pense en faire quelques-unes. Donc, si je maintiens un niveau à 7 kills, 5 batailles... Cette fois 5, 35. Ouais, 5, 6, 7, 7 batailles, on va dire. 6, 7 batailles. Mais généralement, ça va assez vite. Bah, il en faut 10, hein, donc on va dire 10 batailles. Allez, en 10 batailles, on va essayer de se faire, de torcher ce truc-là. Voilà, c'est le dernier, je pense, c'est le marque pour le tanker. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tâche pour tankiste, bon ça on s'en fout, et donc bah oui, donc j'ai eu le truc à 10, je sais pas ce qu'il y a pour 12, de toute façon c'est le dernier je crois, et ça doit être encore un skin ou une connerie comme ça, on s'en fout, enfin perso je m'en fous, j'ai eu les deux véhicules, et pour moi c'est ce qui compte, le reste à vrai dire ça m'intéresse pas trop. Donc toujours cette carte là, toujours ma tactique habituelle, mais finalement elle paye, hein, donc je vois pas pourquoi je changerais. Donc le passage sur le flanc comme d'habitude, l'axe principal c'est un axe, ça fait une ligne droite, hein, on peut dire qu'il y a une partie qui est en dénivelé, donc vous pouvez arriver, mais là vous êtes plus bas et ici vous êtes plus haut. Donc cette partie là quand vous êtes plus haut, vous avez une vision sur toute cette partie de la ville. Et c'est ce qui compte puisque vous allez contrer ceux qui arrivent par là et qui ont tendance à aller par là, ou vous avez tendance à aller par là. C'est
Il y a quand même une symétrie dans la création de cartes qui est assez évidente. Mais j'avoue que moi, quand je suis là, je passe ici et je passe par là et je viens me fourrer par là et je dégomme pas mal de gus aussi. Hein. Donc, j'avoue que... Voilà, donc c'est parti. Donc on passe par là, on va se mettre dans ce coin ici. Comme je vous l'ai déjà dit, donc en fait c'est un terrain accidenté. Donc vous avez des petits reliefs, comme avec un char rapide, vous pouvez rapidement faire une marche arrière qui vous permettra de vous planquer. Vous voyez, là il faut avancer un petit peu, on a une vision et on tire sur la cible qui se dévoile. Après ça, vous baquez un petit peu derrière le remblai et voilà, c'est le fameux OF40. Mais en fait, ce que je vois pas là dans le jeu, là je le vois au replay, c'est qu'il y a une maison. Donc j'ai beau tirer comme un con, ça sert pas à grand chose. Pardon. Donc vous voyez là, vous avez débloqué tous les éléments de mobilité. Le moteur, enfin il y a un élément du moteur sur deux qui a été débloqué. Deux éléments sur trois, pardon. Donc là, il a une bonne mobilité, il a une très bonne maniabilité, et franchement, ça fait la différence. Et donc là, c'est vraiment le truc à la con, là, mais à partir de là, t'es un MOS, il est complètement coincé, il est à la merci du joueur, quoi. Donc là, j'ai le cul de l'OF40. Et voilà. Je suis patient, moi. De toute façon, je me dis qu'à un moment donné, soit il met l'extincteur pour éteindre son truc, soit il explose. Donc je change un petit peu en essayant de tuer quelques membres d'équipage. Je regarde s'il n'y a personne dans le coin. Et là, je vois un T10, là, qui est dans le... Voilà, je lui remets le feu, allez c'est parti, troisième incendie, enfin le deuxième je pense. Hein. Et c'est surtout qu'il est déchenillé. Donc là pour moi c'est la position parfaite là. Et fou, là il est dans le coin là. Là l'OF il a été détruit. Et là, hop là, voilà, exactement là où j'aime bien. Qui traverse en fait toute la cible. Là, ici, il y a le fameux type 89, là, le petit véhicule, le VCI, le véhicule de combat d'infanterie, donc avec un canon de gros. Et voilà, c'est sûrement l'hélico qui m'a. Voilà. Il va être vénère. Oh, c'est pas de sa faute. Allez, on repart avec l'autre. Donc il y en a un qui est dans le coin normalement. Donc bien se planquer. Et sûrement quand on va être ici, il sera visible, moi aussi. Mais la réciproque est vraie aussi. Donc il faut faire attention. Dans la progression, donc il y en a un qui progresse là sur assez éloigné, mais finalement c'est pas la meilleure position parce que il est visible quand même de ceux qui sont là, alors que quand il est là, il est dans des replis de terrain, il est moins visible, on va dire. Donc là je prends un peu à l'écart, regardez-moi cette ballerine. Le mec il fait 35 tonnes, il fait... Alors, des fois, vous dites quand même un peu le moteur physique, ça fait un peu cucu la praline. Hein. Le mec, ça m'étonnerait qu'il valde dingue comme ça. Enfin, je sais pas, mais... Voilà, 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 voilà. Le petit T89, le type 89.
Donc là, je lui mets un petit peu d'artillerie, histoire de le faire bouger un petit peu. Voilà. Donc là... Et manque de bol, là, il a dans le cul direct. Pardon pour cette expression vraiment très vulgaire. Ça ne se dit pas. Mais moi, j'ai tendance à le dire. enfin, bref. Bon. Là, j'ai un petit arrêt technique. Comprenne qui pourra. On va le passer vite. C'est la goutte. Et là, hop là, regardez ça. L'autre, il s'est fait canarder. Et là, regardez. Coucou, gazelle. Dommage. Non mais là, je... Attaquer bille en taille, toi, une 7,62, ça t'envoie au tapis. Alors franchement, c'est pas le genre de truc à faire. Ok, donc là, on repart tranquillou. Là, on va monter un petit peu vers la baraque, ici. Et ensuite, protégé par la maison, on va avancer un petit peu par là. Et on est toujours couvert par ce type de terrain, à savoir, c'est voilà, le M60, le Rise... Là, je le manque, mais le mec, il s'arrête, du coup. Mais finalement, il a pas réagi du tout vite, et là... Il a pas... Il connaît pas, finalement, les obus-flèches français. C'est quand même... l'obus-flèche de la MX-30, c'est quand même l'un des meilleurs obus-flèches du 105. Hein, de 105. C'est le plus puissant, hein, c'est le plus puissant. Alors là, j'essaye de trouver un angle un peu différent, parce que là, je fous le feu, et là, je fais pile poil dans l'angle du moteur, je rebondis pas, donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. Donc, un Z, les Z, c'est ceux qui ont les missiles anti-char. Donc, quand je vois ça, là, je me planque derrière la maison. Gros braquage. Mais bon. Là, je préfère me mettre en sécurité. Parce que c'est vrai, j'ai joué de temps en temps un hélicoptère. En fait, tu te mets over, là, c'est-à-dire tu te stabilises, tu fais du vol sur place. Et t'as 4 missiles ou 8 missiles. Hein, t'as 8 missiles. Si tu prends ton temps et si tu te démerdes pas trop mal, t'arrives à envoyer au tapis 3 ou 4 chars. Franchement, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Il y a un deuxième AH1Z, là. Mais il est poursuivi par deux hélicoptères, un Mi-35 et un Mi-24. Et là, ils se font déboîter tous les deux. Le mec, là, il va essayer de s'échapper en allant vers le sol. Mais je me demande dans quelle mesure, en fait, c'est pas parce qu'il a été touché qu'il a... Il préfère s'envoyer. Voilà, donc là, la partie est terminée, hein. On va la remporter de toute façon. Je crois que je ne fais plus rien. Non, je fais plus rien. On va aller se mettre là. Les mecs, ils vont être campés. Et y a, après, la partie est terminée. Et c'est un massacre sur la place de où ils repopent. Ils se font littéralement massacrer. Donc... ça n'a plus beaucoup d'intérêt. On va arrêter ici. Voilà. Voilà. Donc, Balbrenus, oui. Mais finalement, c'est pareil de tous les autres chars. Sauf de certains chars. Mais les chars français ont pour eux cette mobilité. Et finalement, dans un combat moderne, cette capacité à
à reculer rapidement, à manœuvrer avec une très grande rapidité et je dirais une très grande agilité, c'est quand même un plus. À côté, vous avez, enfin, par rapport à des chars de la Seconde Guerre mondiale où vraiment là le mec t'avances vite mais tu recules pas. C'est vraiment des trucs que je déteste. Et dans cet exemple, il y a nombre de chars britanniques qui sont comme ça. Ah, il avance vite, mais alors après, là, il connaît pas la marche arrière. Alors là, c'est finalement, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, les Français, une vitesse avant, 10 vitesses arrière. Ouais, mais finalement, c'est peut-être au vu de la réalité d'un combat. Je veux dire que si t'es pas capable de te planquer, bah t'es mort. Le but du jeu, c'est aussi de survivre. Donc les neuneux qui font du French bashing, bah visiblement, c'est qu'ils connaissent pas grand-chose. Et de toute façon, aujourd'hui, tous les chars modernes reculent rapidement. Voilà. Ils ont même des fois ils sont même aussi rapides en marche arrière qu'en marche avant. Voilà. Donc c'est un élément agréable. Tel que je le joue, c'est-à-dire un char que je joue essentiellement de flanc pour éviter moi d'être pris d'un côté ou et pour éviter les attaques de face, et voilà, c'est un char efficace. Il n'y a pas besoin de stabilisateur dans le sens où tu es censé être un chasseur, c'est-à-dire que tu vises une proie qui ne te voit pas et tu l'exécutes, pan, un coup et t'es mort. On n'est pas dans... Voilà, donc le il faut aussi se rappeler à quelle période il a été conçu. C'est la guerre froide. Les Russes sont censés, s'ils attaquent avec le pacte de Varsovie, l'OTAN et l'Occident, la partie occidentale de l'Europe, c'est-à-dire... l'Union Européenne, enfin c'était pas l'Union Européenne à l'époque, mais l'OTAN on va dire, eh bien on s'attendait à des vagues, et quand je parle de vagues, c'est qu'il y avait une supériorité en nombre de chars qui était de 1 pour 10, donc on se battait en infériorité numérique. Donc clairement le but c'était pas d'aller se friter avec un char en touche-touche, là, non, c'était vraiment la doctrine, c'était de tirer de loin et puis de pas leur laisser la place et de faire des retraits. C'était le tiroir, donc il y en avait deux qui engageaient, ils reculaient, il y en avait deux qui continuaient à tirer, ils reculaient et ainsi de suite. Alors, ils avançaient, les Russes avançaient, mais c'était au prix de pertes énormes. Enfin, voilà. Alors, pendant la grande guerre patriotique qu'ont mené les Russes contre les Allemands, ça, je veux dire que les gars étaient, ils voulaient libérer le pays. Là, je veux dire, quand c'est pour envahir les autres, même avec les pays frères, je veux dire que s'ils perdaient un millier de chars, parce que les Russes étaient plutôt objectifs, ils estimaient qu'un char, il avait une durée de vie inférieure à une journée. Hein. Donc le mec qui sortait, il rentrait pas vivant. Donc... c'était quand même tendu. Voilà, enfin bref. Donc, les chars européens occidentaux étaient faits, en tout cas la MX-30 et le Léopard, c'était des chars qui étaient faits pour engager leurs cibles, comme pendant la Seconde Guerre mondiale pour les Allemands, et les Français ont repris cette idée, un char devait être détruit à 2000, 3000 mètres, 2000, 2500 mètres. À partir de là, voilà, il n'avait pas besoin d'être surblindé parce que son but c'était pas d'aller se mettre au devant de 50 chars et puis de dire c'est moi le chevalier Bayard, je vais tous vous prendre. Non, il n'aurait pas pu le faire. Voilà. Bon, alors certes, il manquait un peu de blindage, mais en tout cas, je pense que dans son rôle, il aurait pu faire le job avec des chars, on va dire, qu'il aurait pu rencontrer, c'est-à-dire des T-54, T-55. T-62 et T-72. Avec la modernisation du pacte de Varsovie, les T-80, les dernières versions des T-72 notamment, et les versions des T-80, il était plus vraiment compétitif, hein, le canon de 105. Hein, voilà, il faut être objectif. Tous les chars occidentaux, le M1, c'était devenu le M1-1 avec un 120 allemand. Les Allemands, ils avaient eu le Léopard 2. Les Anglais avaient le Challenger, ils étaient passés du Chieftain au Challenger. Voilà, Challenger, là c'est pareil, vous en avez toute une palanquée, hein. Challenger, Challenger Mach 3, Challenger 2,
le char le moins vendu du monde et le moins construit du monde. Voilà, il passe du Chieftain, qui avait déjà un canon de 120, et au Challenger. Mais chez les Anglais, c'est plus de blindage. Voilà. Wally Walou. Donc c'était plutôt... Moi j'aime bien. Au bout du compte, j'avoue que les chars français, je les aime bien. Et depuis que je joue les chars français, je dois avouer que j'ai beaucoup de mal à passer à des chars qui sont pas mobiles, qui sont lents. Et l'autre jour, j'ai fait une partie que j'ai mis en ligne, là, qui était plutôt pas mal, avec un M4A3. Là, j'ai l'impression de me traîner. C'est terrible. Voilà, donc c'est quelque chose que j'aime bien. Alors, j'avoue que j'attends avec une certaine impatience ça. Voilà, mon 9-7, là. Parce que là, je vais changer au niveau de la tactique. Je vais pouvoir faire des choses que je ne pouvais pas faire avec mon MX-30. Notamment, plus de combats, on va dire, de rencontres. Pas parce que j'ai du blindage, mais parce que je suis capable de tirer en roulant. Et donc, c'est simplement... c'est un duel. C'est comme au Far West, c'est celui qui tire le premier qui gagne. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Et puis bon, cerise sur le gâteau, ça sera le Leclerc. Donc voilà, voilou. Donc bon, bientôt le Tigre. Et puis comme vous voyez, les Français, j'ai toujours pas dépassé. Voilà, parce que je joue très très peu les avions. Je les ai rejoints un petit peu là. J'en suis aux pothèses. Et franchement, j'avoue que j'ai du mal à les jouer, les Français. Ils ont une puissance de feu tellement anémique au début, franchement. Enfin, t'as des avions, les mecs, ils déchiquettent en 3 secondes, toi t'es là. Ils ont 2 mitrailleuses de 7-5. Mais c'est n'importe quoi, ils ont rien, enfin c'est terrible. Alors qu'en face, le mec, il a 2 canons de 20 mm, des 12-7, des machins. Toi, t'es affolé. Voilà, en tout cas, bon, les gens, quand ils pensent, ouais, les chars français sont pas beaux parce qu'ils sont pas blindés, non, c'est simplement que c'est pas le même style de jeu. Effectivement, vous allez pas jouer ça comme un char T-54 qui est très rond, qui lui est capable, grâce à sa géométrie, on va dire, de pouvoir, on va dire, esquiver quelques coups. Mais par contre, c'est un putain de bon sniper. Voilà, et puis avec sa vitesse, il est capable de prendre un flanc, et c'est un excellent char de flanking, d'attaque de flanc. Voilà, donc c'est... Il faut toujours utiliser son char en fonction de ses points forts. Si vous jouez un char comme un char lourd et que vous le mettez à 50 mètres d'un char, le mec il va se prendre un obus, voire même il va se prendre un canon de 30 mm de face, il va se faire défoncer. Ok, faites ça avec un M1, faites ça avec un Challenger, faites ça avec un Léopard 2, vous pouvez. Bah, pas avec ça, c'est tout. C'est la seule chose qu'il faut savoir. Mais par contre, il y a des chars qui sont comme des hippopotames, qui sont pas rapides. Allez essayer de leur faire prendre un flanc, le temps qu'ils arrivent en position d'engagement, les mecs, ils auront fait les 3/4 de la map et ils sont déjà sur le coin adverse en train de les camper. Donc... voilà, il faut toujours regarder quelles sont les statistiques du char, quels sont ses points forts, quels sont ses points forts, ses points faibles, et à partir de là, on en déduit comment les utiliser au mieux. Si effectivement vous les utilisez à l'inverse de ce pourquoi ils sont faits, il arrive le résultat qui doit arriver, c'est-à-dire que vous mourrez. J'en ai un très bon exemple, en ce moment je joue pas mal ce petit truc. Des fois j'ai tendance à vouloir aller en ville. Grosse erreur. Je me fais détruire systématiquement à la mitrailleuse. Les mecs se emmerdent même pas à me tirer un obus de canon. Ils me spamment la mitrailleuse et je me fais défoncer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je refais ce que je fais avec un MX-30. Flanking, détection et coup sur les côtés. Voilà, point à la ligne. Voilà, allez, on va terminer avec ce joli petit véhicule, très rigolo et très fun à jouer. Et puis, on va dire que c'est tout pour la journée. J'ai encore beaucoup de gens à tuer et puis beaucoup de parties à gagner, donc je vous laisse. Ciao, ciao!